Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombard TV et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler vite pour le président de la République là, Jovenel Moïse, qui a demandé tout secteur en vie nationale là pour m'accorriger pour être capable de mener une bataille contre la maladie ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans mon bateau police, équipe Bombard TV, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez ou intéressé, pas oublier d'abonner avec Bombard TV et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombard TV. Et bien, nous ne pas perdre du temps, nous déroulé avec information. En nous, président de la République, Jovenel Moïse, installé commission multisectorielle gestion pandémie COVID-19. La. Président Jovenel fait qu'on ait précaution avec principe consignigène. A éviter pays à tomber dans catastrophe sanitaire. L'imande tout secteur en vie nationale là pour continuer à corriger foyo pour mener bataille contre maladie ici en Haïti. Et nous voulons faire connait initiative président République la Jovenel Moïse prend pour accompagner moun ki pi faible pendant maladie à continuer dans plusieurs localités en dans pays a. Citoyen dans localité sans fil Debussy avec Vallée Boudon te recevoir kit alimentaire pendant yot a fait distribution manger ici en Haïti. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé coulier. Mais pas ici. C'est ma frère dans quatre coins pays. Coronavirus là, nous est sous nous. Maladie à sérieux. Faut que nous pas prendre besoin. Personne. Abdi bien, personne. Pas de faire négligence dans le comportement. Ou ta cause de tomber malade ou bien de gagner maladie. Maintenant, il y a des gens qui disent que le coronavirus, c'est politique. Eh bien, Abdi, le coronavirus, pas politique. Maladie, ça, je dis, en pile monde tout partout côté au passé. Je dis à son question de vie et de mort. Moi ça y est, j'ai fort ministre de Santé publique là, à toute équipe là, sous affaires dépistage, préparation qui est en fait à travers tout le pays. Là. Tout ça que le ministère de la Santé publique, avec le laboratoire national de la Santé publique, est en fait dans le cadre de la propagation de la pandémie du coronavirus. Nous avons un gros coup de chapeau à tout travailleur de santé dans le pays, tout personnel soignant qui est en commencé à travailler dans le monde qui est infecté déjà. Et même l'équipe ministère de la Santé publique qui est dans tout le pays, qui a marché, les gens ont mis, qui ont détecté pour le travail pour mettre tout l'autre monde en quarantaine. Messieurs, dames, chapeau vous. Nous sommes des gens invisibles, pas des gens qui ont le travail ça n'a pas fait. Mais moi-même, moi connais et dans nos préparations, moi je dis merci. Merci en pile. Jodia, je voulais profiter de l'occasion ça pour me parler avec nous, pas seulement comme président, pas seulement comme président du pays, mais comme un papa petit, qui est danger qui a venu, danger ça qui a privé, et qui voulait et pas petit. L'administration a fait tout ça le capable pour empêcher le virus de gagner le corps trop, pour empêcher le faire gros dégâts. Mais moi j'ai besoin de support chaque grenadien. Chaque grenadien pour nous gagner la bataille. Jean, nous jouons support. Membre commission sectorielle là,
jodi a. Malè coronavirus la, pandye sou tèt nou tout. Moun riche tan kou moun pov. Moun pou klè tan kou moun pou mwa. Moun an wò tan kou moun an ba. Moun an deyò tan kou moun la vil. Ki donk, se nou tout ki pou mete men. Pour nous faire face carré pour nous couper maladie ça. Maintenant de tout travail la presse à la ronde badin pour coller dans la guerre déclarée contre coronavirus là. Toute radio, toute télévision, tout journal, tout influenceur sur les réseaux sociaux. Moment arrivé pour nous créer une chaîne de solidarité à tout le monde qui a combattu l'épidémie ça. Moment arrivé pour nous lancer un combat national pour nous battre charbarie derrière le coronavirus. Je dis à nous demander tous les leaders d'opinion. Yo. Si tout si là qui n'a radio dans quatre coins du pays d'Haïti avec l'autre bord de l'eau, pour le poté collé à tout stricti qui mettait sous pied pour faire face carré. Avec l'ennemi commun ça qui est le coronavirus. Qui bonnet, c'est grand matin, qui écoute, rendez-vous. C'est occasion pour annoncer population. Association pharmacien Haïti, dans tête collée avec faculté de médecine, avec pharmacie. Et dans tête collée avec la douane dans le pays d'Haïti, que publiquement m'a remercié pour nous ici, pour un pile saisie qui est fait dans les affaires de monde qui a entré alcool en contrebande dans le pays. Je vous dis, alcool s'est observé pour nous, ça a une société là. Travaille 6 jours sur 7, 12h à 18h dans chaque jour pour faire solution alcool pour désinfecter même ça nous tout relé hand sanitizer. Ça veut dire solution ça y va le distribuer gratis dans tout l'hôpital, centre santé, bureau l'État. Entreprise publique et privée, une façon pour aider les gens qui sont obligés de prendre le travail, désinfecter. Mais c'est une façon pour empêcher la maladie de coller dans le pays. Je suis particulièrement satisfait que le président m'a donné, avant même que je le demande, la possibilité à cette commission de fonctionner de façon indépendante et en toute transparence. Nous avons entrepris divers combats en Haïti contre la diarrhée infantile qui était en 1980 la cause première de mortalité infantile. Le sida également pendant deux décades la cause première de décès, aujourd'hui contrôlée et en septième position comme cause de mortalité. Le choléra qui est presque éliminé du pays. Le dénominateur commun de ces réussites est l'union. Pour cette pandémie qui a mis à genoux les meilleurs systèmes de santé au monde, l'union de tous les Haïtiens sans distinction est obligatoire pour vaincre le Covid-19. Je vais profiter pour rapidement répondre à certaines critiques du ministère de la Santé publique et de la population qui reviennent souvent avant même mon implication dans la gestion de cette crise. J'ai entendu souvent que le MSPP empêchait aux laboratoires privés de réaliser les tests rapides pour la détection des cas de Covid-19. Le MSPP a eu raison d'interdire les tests rapides, car les tests en question donnent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs et auraient créé une confusion totale et une panique dans la population. On donnait à des gens des tests négatifs alors qu'ils sont infectés. Par contre, les tests de PCR conduits par le Laboratoire national de santé publique sont précis et recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Pour faire les tests de Covid-19,
il faut non seulement les kits, mais également les réceptacles pour placer les spécimens et transporter ces spécimens vers le laboratoire, mais aussi du matériel d'extraction. Ce matériel n'existe ni aux États-Unis ni en Europe. Le LNSP et Gestio ont placé une commande importante en Corée du Sud. Donc pour récapituler, pour réaliser les tests de COVID-19, il nous faut les kits, les réceptacles pour placer les spécimens à tester et le matériel d'extraction. Chacun est vendu séparément par des compagnies différentes. On peut trouver un et ne pas trouver les deux autres. Entre-temps, le doyen de l'université où je travaille, Cornell, malgré la crise à New York, a obtenu tout le matériel d'extraction des laboratoires de recherche pour l'expédier en Haïti. Ce matériel doit arriver en début de cette semaine, donc nous serons en mesure d'offrir des centres de dépistage à la population. Un autre sujet qui fait la controverse, c'est la chloroquine. Ce médicament est produit en Haïti par les laboratoires 4C en comprimé et en sirop en Pharmatrix. Il n'est pas disponible actuellement en Haïti parce que les ingrédients qui rentrent dans sa composition ne sont pas disponibles par les fabricants. C'est-à-dire que les compagnies 4C et Pharmatrix ont demandé aux fabricants de leur envoyer les ingrédients et ils n'ont même pas reçu de réponse. C'est ainsi que on a dû obtenir une lettre du ministère de la Santé pour les encourager à nous vendre ce matériel. À noter aussi qu'il y a une fausse chloroquine sur le marché. Un autre point important, c'est que Haïti est en passe d'éradiquer la malaria. Nous sommes l'un des rares pays qui peut encore traiter le parasite avec la chloroquine. Si on en fait un usage abusif, on risque d'avoir des souches de malaria résistantes à la chloroquine, ce qui va compliquer énormément l'éradication de la malaria en Haïti. La cellule scientifique a approuvé l'usage de la chloroquine pour des patients à risque. J'en profite pour les remercier et remercier ces personnes dévouées qui travaillent dans cette cellule, qui travaillent énormément avec patriotisme et ardeur et sur les recommandations à faire et qu'ils ont déjà produites dans le traitement et la prévention du COVID-19. Chers compatriotes, l'heure est grave. Les Nations Unies sont devenues les nations désunies. Chaque pays va protéger sa population. Personne ne viendra nous aider. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je fais appel au secteur privé de santé et à tous les Haïtiens, qu'ils étaient supporteurs ou opposants au pouvoir. Aujourd'hui et jusqu'à la victoire finale, nous avons qu'un seul ennemi, le COVID-19. Il en va de notre survie. Nous avons besoin de vous, du secteur privé de santé et des ONG locales. Peuple haïtien, nous saluons bien bas. Maladie corona déjà la caille nous. Maladie ça mal au campile. Seul gens pour nous gourmer avec lui, c'est si nous toutes mettez nos têtes ensemble. Je dis à pas gagner Racine, pas gagner Violette, pas gagner Dobosco, pas gagner Victory. Seule équipe qui souterrain, c'est l'équipe nationale. C'est lui-même qui parle gourmet à Corona, qui déjà bat plate à terre, meilleure équipe dans le monde. Nous cas gourmet avec elle. Président mettez comme entraîneur équipe là. Nous besoin lier 11 meilleurs joueurs haïtiens. Nous-mêmes avec la presse, nous ces publics là, nous capables de servir comme 12e joueur. 12e joueur important en pile. Faut que nous attendions et suivre tout message que vous parlez voyez pour nous. Les citoyens ont une provision alimentaire pour manger pendant qu'ils continuent à être en bacaille pour empêcher la propagation du coronavirus. C'est l'objectif principal de l'opération porte-à-porte. Le président de la République, Jovenel Moïse, à travers son assistance économique et sociale, FAES, mettait sous pied pour ceux qui sont faibles. Jeudi 2 avril, habitants dans Saint-Philippe, Babelais, Debussy, Vallée-Boudon,
recevoir plusieurs centaines de kits alimentaires dans le cadre du programme qu'on répète là. Je remercie le président, je remercie toute l'équipe là qui choisit de déplacer pour que là là chaque mois la caillou. C'est pour ça que je dis. Donc c'est pas sortir ou aller comme si elle m'en donc c'est la caillou chita. Et puis là les vignes jouent, donc c'est quand même ça applaudit. Je vraiment souhaiter une initiative à continuer. Oui, je vais côté que le monde n'a pas imaginé. Nous, mais c'est comment ça fait là. Président va nous manger, il faut commencer à passer à passer une avec nous. Il nous dit merci, président. Je remercie le président pour ça faire. Et nous-mêmes, tout, j'aime la boutique de vous, je merci à vous, d'accord, monsieur le directeur, pour que tu restes à côté. Je remercie le président, puis passez maintenant, comme c'est Jimmy, pour que tu aies beaucoup mieux. Le programme ça doit continuer à travers l'autre localité dans le pays, d'après tête leader communautaire qui m'a dit population à faire preuve de discipline dans le moment de distribution. Ça, c'est une belle initiative, président Féa, du très beau pour la population. C'est un bel programme qui va arriver dans tout le pays. Je dis, président, merci à tout le gouvernement, je crois. Plusieurs communes à travers tous 10 départements géographiques. Pays a déjà touché dans le cadre du programme ça. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.